Pour centrer à nouveau. Oh, la tête de Mugalu Mutimba. Ouverture du score de ce garçon, l'ancien du Sporting Club Omnisport Mikishi. Mugalu Mutimba propulse les Football Club Santoloa Lupopo en finale de la Coupe du Congo. C'est officiel. Les Cheminots ont dominé les Imaniens de Kinshasa par 1-0. Après une mi-temps sans but de part et d'autre, le dénouement du match a été le centre des trésors Kanyinda qui trouve la tête de Mugalu à la 54e minute, renvoie une joie exceptionnelle dans tout stade Mazembe. Ouverture du score de ce garçon, l'ancien du Sporting Club Omnisport Mikishi. Et beaucoup de joie et encore beaucoup de joie de Boulaïma. Le voilà qui saute de joie pour saluer ce but. Et la chose qui manquait dans le stade, c'était l'ambiance des gradins. Pour l'instant, c'est fait par l'ouverture de ce score signé Mugalu Mutimba. Derrière, c'est le Daring Club Motema Pembe qui ne désarme pas. Le vert et blanc aurait pu égaliser sur ses coups francs, mais la frappe d'Ngouloubi passe légèrement à côté de la cage gardée par Boulaïma. Plus rien ne va se passer, hormis les séries des ratés venant des deux côtés. Et le score restera à 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, Lupopo est la première formation à se qualifier en finale de la 51e édition de la Coupe du Congo. Et ça sera terminé. Ça sera terminé. Le FC Saint-Éloi Lupopo en finale de la 51e Coupe du Congo de football. Une belle opportunité pour l'équipe de Lubumbashi d'aller chercher à se venger parce que l'année dernière, c'était en finale devant MK de Kinshasa.